Très bien. Très bien. Donc droite ou gauche? Ah oui, sur la droite, c'était pas le réseau de... d'arbres, de troncs d'arbres. Je sais pas si on peut directement passer par là du coup. Je crois que c'était ça. Là, en théorie, on peut rien faire. Quand j'avais regardé, c'était une tempête donc, quand j'avais regardé. Peut-être que j'ai loupé des choses. Mais... Il y a le pont. Genre là par exemple, maintenant si on peut passer sur le robot. M'étonnerait hein. Et ça serait un truc à tester. Ok, donc faudrait continuer. Oh! Peut-être que. Là, on est un peu dans la merde. Un peu dans la merde, là. Toi bien. Tout va bien. Cheville. Cheville, c'est quoi? C'est le bandage? Les vêtements, fais voir les vêtements, parce que j'ai vu déchirure. Chaque fois ça me fait peur les déchirures. Ouais, les bottes elles ont pris cher. Les bottes ont pris quelques pourcentages. Mais ça va. Ok, on est bon. Et là-bas, c'est où c'est qu'on avait la grotte, on avait chassé les lapins et tout ça. Ah, ben peut-être du coup on va aller là-bas. Peut-être qu'on a laissé des, je me rappelle plus en fait ce qu'on a laissé. Mais en théorie, on a laissé une peau, des peaux, je crois. Donc peut-être que les peaux de serre, elles sont sèches. Honnêtement, ça m'étonnerait qu'elles soient sèches, mais... Peut-être. Là, faut faire attention s'il y avait des loups avant. Voilà, très bien. Il y a un établi, mais il est à l'extérieur. Ça, c'est chiant, ça. Ah, qu'est-ce qu'on avait laissé ici? Est-ce qu'on avait laissé des pots? Ou pas du tout? On a des boyaux séchés. On n'a pas de pots ici. Ok, ça marche. On va voir où on a laissé les pots de serre, en fait. Et après faut réparer. C'est vrai que ouais, ce qui est le plus dangereux c'est quoi ça? 68%. Après quand je dis dangereux, ça m'étonnerait que ça casse un jour hein, parce qu'avec tout, nous on fait attention la plupart du temps. Bon là par contre oui, on a eu un petit problème, on est tombé. Je me demande si on aurait pu ne pas tomber. Honnêtement j'en doute. Je vais être honnête, j'en doute. On va dormir une heure. J'en doute ouais, je pense qu'on était obligé de tomber. Ouais, je pense. Voilà, c'est bien. On va manger ça. Voilà, comme ça on est en dessous. Après on a du lapin à l'extérieur, on n'a pas besoin.
Et on a l'établi à l'extérieur. Comme j'ai dit, on va pas s'en servir. L'établi, on pourrait faire les fûts de flèche déjà. En fait. Mais on va pas le faire. Il fait trop froid, en fait. Objet fouillé, ça c'est que du bois. Alors du coup... Faudrait qu'on retourne là-bas. Ils étaient vraiment pas loin. Ils étaient pas devant moi, ils étaient bien derrière moi. C'est bien ce que je pensais. Je les ai entendus. Waouh, on les entend même à l'intérieur. Je pensais bien qu'ils étaient... derrière. Ah, c'est bien ça, on les entend maintenant. Ça, c'est nouveau, ça. What the... Bah cet épisode, il en vaut la peine juste pour ça. Ah, on peut les entendre quand on est à l'intérieur d'un bâtiment et ils grattent à la porte et tout, quoi. Ah, ça tue! Ça tue. J'avoue que ça tue. J'avoue que c'est cool. Parce que vous voyez comment le jeu est créé, en fait. C'est par zone, en fait. Et entre deux zones, en fait, c'est jamais... Il n'y a pas de... d'entrelacement, j'ai envie de dire, entre les zones. C'est-à-dire qu'un loup va pas vous suivre, ou un ours, ou quoi que ce soit, va pas vous suivre d'une zone à l'autre, en fait. Ça n'existe pas. Donc, du coup, c'est comme si on disparaissait à chaque fois. Mais là, du coup, ouais, ça casse en fait le fait que ça soit vraiment séparé de zone à zone. Parce que là, ouais, on s'est fait aggro à l'extérieur par des loups, bah du coup, ils sont toujours dans le périmètre. Et on a le son et grognement et tout, et on a... Ah, et ils grattent à la porte et tout. Ah, ça c'est bien, ça c'est très très bien, ça c'est une bonne idée, ça. Ah, c'est cool. C'est cool, bon après ça nous fout dans la merde, mais c'est cool. J'avoue, là je suis content. C'est plutôt sympa. On va faire deux bandages en plus. Vu que c'est dangereux. Ah ça c'est pas mal ça. Je suis sûr que si on avait une sorte de barre de stress ou des trucs comme ça. Notre personnage genre sera en stress. Et on a plus de douleur. Par contre du coup on a toujours les loups à notre trousse. Ça veut vraiment dire qu'on a toujours les loups derrière nous. Là. Si on les entend encore. Ah ouais, non, mais ils sont vénères, hein, les trucs. Hein. Ils sont vénères. Il y a deux tissus, là, avec ça. Ça, c'est pas mal, honnêtement. 2h30. Je crois qu'ils sont partis. Mais il est où le métal ? Il est là. Honnêtement, c'est vraiment pour le tissu, j'ai envie de dire. Pour passer du temps aussi. D'accord, je vois plus rien. J'avais oublié qu'on voyait plus rien. On lit. Par contre, un truc embêtant, c'est qu'on utilise la scie, mais on peut pas la réparer. Bon, après, comme j'ai dit... on en a déjà trouvé une autre et tout, donc c'est pas très grave. Donc si jamais on a besoin d'une autre aussi, on sait où aller. C'est pas grave, grave. Mais ouais. Ah, c'est embêtant qu'il y ait encore des loups gris. Pff, oh là là là. On va devoir encore se les farcir.
encore une tempête. Ça fait un peu chier un niveau calories, hein. Là on perd énormément. Tout ce qu'on avait accumulé là, là on le perd. J'ai vraiment envie de... Enfin si on combat les loups gris, on en dépece quelques-uns, on récupère la viande et basta quoi. Parce que là on va pas pouvoir faire grand chose. Enfin pff, ouais, j'en sais rien en fait. Ah là là, moi qui voulais... genre trouver la mine et tout ça, on s'est perdu. C'est... Oh non, il y a encore le vent qui se lève. On s'est perdu, on a fait plein de trucs, ça, on a fait le tour de la carte. N'importe quoi cet épisode, c'est du n'importe quoi. Je suis pas super heureux en fait, je suis vraiment pas heureux. Mais bon, c'est comme ça, ça arrive. Comme j'ai dit, c'est en intrus. C'est, je sais pas... Des fois, hein, ça c'est juste... qu'on veut faire, bah voilà. Toujours un temps de merde, ça fait plaisir. On a plus de viande, on a encore les massettes, hein, mais on a plus de viande, ça c'est chiant. Donc comme j'ai dit, on va peut-être chasser. Si le temps le permet. Après on a encore... après on a du lapin à l'extérieur. Je sais pas, on va voir comment ça... Ah j'aurais dû me baisser, je me suis pas baissé. Hop là. Ok. Si je passe par là. Ah, on va devoir se les faire. Hein. Si on passe par là... Ouais, non. Si on passe par là, je vais me faire bloquer par les loups. Putain de déjà vu, quoi. Mais c'est tellement un déjà vu, cet endroit. Ah, attendez, si on passe par là... Là, au moins, on pourra courir à l'abri. Qu'est-ce qu'on avait dit qu'il y avait là? Pas grand chose. Bon, on va se faire les loups. Oh là 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 là, c'est chiant. Bon, on va se faire les loups. De toute façon, il n'y a que ça à faire là. De toute façon, après, c'est pas trop grave parce que, comme j'ai dit, on a le. On a les têtes de flèche, on a les. Les fûts et tout ça. Par contre, je sais pas où me mettre. Je vois. Est-ce qu'on peut s'avancer d'un loup gris, genre comme ça, et lui mettre une flèche directement? Cette distance, il faudrait lui décocher des flèches en fait. Il y en a trois juste devant ma gueule quand même. Hein. Il y en a deux là et un là. Si je me lève, ils vont m'aggro. Mais... Ah là là, je sais pas comment faire. Ah bah c'est trop tard.
Ah, c'est celui-là de droite qui m'a... Ok. Attends, est-ce qu'on peut se mettre là? Si on est d'accord, là, ils peuvent pas monter. Attends, on a peut-être un truc, là. On a peut-être un truc. Ah, on a peut-être un truc. Est-ce qu'ils peuvent monter les escaliers? Yeah, on est bien là, on est bien, on est bien. De toute façon, ils peuvent monter que ces escaliers, ils peuvent pas grimper par là. Oh non, ça peut pas passer à travers. Nique ta mère le jeu. Putain, Interland quoi, apprenez à faire des jeux. Merde. D'accord, ok. Merci Lightbox de merde. Je vais m'énerver contre Interland des fois. J'ai vraiment envie de m'énerver. Donc il y a deux flèches à aller récupérer. Il y a trois flèches en tout à récupérer. Oh, t'es sérieux? 4 flèches à récupérer. Qu'est-ce qu'on a mal joué? C'est bon, ils sont morts. L'autre, il est mort aussi. On a combien de flèches? 12. Celui-là à prendre, faut que je me réchauffe. Et il y en a un qui est mort avec la flèche. Ah, je sais plus. Je crois qu'on a, on a toutes les flèches. À part celle qui est partie avec le loup. Je crois qu'on les a toutes. Attendez, j'ai tiré deux flèches sur la gauche, on a récupéré une parce qu'elle était sur le loup, j'ai tiré une flèche sur la droite. Et j'ai cassé une flèche sur le mur invisible parce que Interland sait pas coder les jeux. Mais ouais, je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon. Donc on a toujours une flèche à récupérer, à trouver, on en a 12, on en avait 15! Putain, on avait 15 de ce de côté, je crois. Putain, on en a 11. Donc ça fait une de cassé. Donc il en manque 3 encore. T'es sérieux? Sans déconner? On a perdu autant? C'est chier. C'est vrai que j'étais un peu trop... J'ai pas vraiment pensé à les compter, en fait. J'ai pas... Je les ai pas vraiment bien comptés.
Parce que quand on tire les flèches, en fait, faut les compter vers 1, 2, tout bêtement. Hein. Faut vraiment les compter, ça aide. Pour éviter de tout perdre. On va dormir une heure, le temps de se réchauffer et tout ça. Et après, on va peut-être faire un feu. Je sais pas trop où. En fait, faudrait faire un feu à côté du loup. C'est con, parce que je voudrais bien faire un feu sur les... à côté de l'établi, moi. Commence à faire nuit, c'est top. On va peut-être mieux les voir, là il n'y a plus les empreintes, les pas et tout ça. Les flèches. Mais ouais, je pense qu'on les a toutes. Alors on a peut-être deux flèches qui vadrouillent sur des loups en fait. On a tiré une là ou pas? Non. Hein. Faut qu'on aille regarder en hauteur. Ah, ça m'embête quand même. Là, on pourrait faire un feu ici, je pense. C'est trop en pente. Ah, comme ça? Ok, comme ça alors. Je veux juste voir vite fait. Ou alors on avance tout simplement. Non mais je crois qu'on va d'abord faire la viande. On va d'abord faire la viande. Mais il faudra trouver les loups qui sont morts. On va commencer à tomber à court de flèches à un moment ou à un autre, ça va m'énerver. Allez, on va faire le feu. Aïe 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 aïe. Là, ça a l'air pas mal. Et on a plein de bois à côté. Donc on va pouvoir faire de l'eau et du cuire la viande. Par contre, on va pas trop en mettre à la fois. On n'a pas énormément. Je pensais qu'on en avait plus en fait. Tiens, déjà, on va prendre ça aussi. Quoi ce bruit? J'aurais dû le retourner en fait. J'aurais dû retourner le feu. C'est chiant de le faire de ce côté. Ah, même ça va, il fait moins froid. Il n'y a plus de vent.
49 minutes. On va aussi faire ça. Bah désolé, hein, cet épisode aura pas été le top du top. On a appris un truc, c'est que ben ouais, on peut, ils peuvent gratter à la porte et tout. Et ça c'est nouveau, ça on savait pas. En tout cas moi je savais pas. On va mettre le lapin, comme ça on pourra le manger directement. Ah, très bien. Voilà. Bon bah résultat des courses, on a perdu beaucoup de flèches. 3 ou 4 je crois, 3 peut-être. 2 ou 3 je dirais. On a réparé nos moufles, on a réparé notre... comment ça s'appelle, Chapka. Mais en contrepartie, faut voir les moufles, elles ont pris cher. Non. En contrepartie, on a abîmé nos bottes, qu'on est tombé. Enfin voilà, c'est pas, hein, c'est pas le top du top, mais voilà, voilà. Il manquerait plus qu'on se brûle. J'ai pas regardé le temps du feu. Par une heure, ça va. Donc ouais, c'est pas le top du top. Hein. Vraiment pas le top du top. Là, c'est vrai qu'on est à côté du... de l'établi. À la limite, on pourrait... on pourrait faire les flèches, mais je crois qu'il fait trop froid. Il fait quand même pas mal froid. Il faudrait mettre au baril enflammé en fait. On va refaire un tour. Il y a zéro corbeau. On va en profiter pour prendre du bois et essayer de trouver le corps. Les corps, peut-être. Après, je dirais que si jamais ils sont morts, ça va pas être trop loin. Je pense peut-être derrière chez nous. Enfin, le bâtiment où on est là pour le moment. Moi, je pense peut-être derrière. J'entends des corbeaux. L'eau. Pardon, 1000 tonnes. Ok, une flèche. J'avais pas vu ça, 1000 tonnes. Genre ça, ce serait une route vers 1000 tonnes. Mais elle est détruite, c'est ça? Intéressant. Mais 1000 tonnes, c'est pas sur la... C'est pas ça sur la carte. Faut qu'on regarde la carte. Il faut qu'on regarde la carte. Ah, ils sont allés quand même super loin, en fait. Bon, ça fait 1.
Non, on va rester sur la... sur la route. Donc on a 13, 12 de réserve. On a cassé une. Donc je pense qu'il en manque toujours deux, je suis pas sûr. Il en manque une, deux. Je crois. Mais je pensais là-bas, moi. On va voir après. On va se réchauffer, faire cuire et tout ça. Il y a un loup. Viens ici, viens ici! Défonce, moi, je te défonce. Pardon. T'es piégé avec moi. Ah, me touche pas! Sale con. Ah, très bien. Très bien. Et de l'eau. On va peut-être prendre de boyau. Il y a toujours l'autre qui fait n'importe quoi juste à côté de nous. Par contre, il nous fait un peu chier. Hein. Honnêtement, je crois qu'on risque rien. Mais... je suis pas entièrement sûr pendant une aurore... enfin, si, on avait vu pendant les aurores boréales que normalement, on risque rien. S'ils avaient peur, ils ont peur, point barre. Non, attends. Donc, on est bon. Normalement, on est bon. Putain, l'épisode, il va durer longtemps encore une fois. Pas grand chose, désolé. J'ai mal géré mon ma nourriture, moi. On va déposer le les boyaux. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va faire encore un peu d'eau et après on va s'arrêter. Désolé, l'épisode est encore un peu long, fait chier. Je voulais pas... j'aime pas faire les épisodes trop longs, surtout s'il n'y a pas grand chose en fait qui se passe. C'est là en fait que je voudrais faire du feu. Après on peut transférer le feu et je vais voir combien de temps ça prend. C'est 1h39 minutes. 1h05 pour faire 1h30 quoi. Pour faire pour faire une flèche. Peut en profiter, peut faire un peu de flèches en fait. Comme ça on les aura faites au moins. Come on, little fire. Il y a l'autre qui est là. I'm starting to feel numb.
Le truc que j'ai légèrement peur que ça soit un loup noir qui arrive. Et lui par contre va nous sauter dessus. Enfin bref. R50, je vais voir si je peux déjà faire ça. Et avoir l'eau bouillie. Ou alors c'est trop long. On est bon, on est bon. Eau potable, eau potable. Évidemment, il commence à faire froid. On ressent combien? 1 degré. Oh là là, je vais devoir mettre ça. Voilà. J'ai pas de plume. Oh le con, j'ai complètement oublié, j'ai pas les plumes. Merde, on les a toutes déposées. Oh l'abruti. Oh le teubé. On a zéro plume. J'avais complètement zappé ce truc. Aïe 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 aïe. Donc on peut rien faire. On a fait une flèche et basta. Ah, on avait eu, si on avait eu plein de plumes, j'aurais pu toutes les faire. Ah, fais chier. On a 7 flux, on a 5 pointes de flèche sur nous. Ah, ça sert à rien de faire tout ce qu'on a. Ah, il nous faut des plumes. Ma merde. Merde. On va faire de l'eau et puis basta. Il y a combien d'eau? Waouh, ok, c'est bon. Ah, c'est emmerdant là. Ah, là j'avoue que c'est... ouais, non là j'avoue que c'est avoir gâché en fait complètement le feu en fait. Ah ouais, dans ma tête on avait encore les plumes. On avait encore complètement les plumes. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé sur le coup. Une musique. Bon bah on mange. On mange et on dort et ce sera à la fin. Je sais pas si je couperai peut-être l'épisode en deux, s'il est très très long. Parce que c'est vrai que je me suis un peu laissé emballer dans l'aventure. Et puis au final on n'a pas fait grand chose. Je suis un peu dégoûté sur ce côté là. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. Désolé si l'épisode est coupé en deux. Mais ouais, aventure la prochaine fois. Ciao ciao! Et on va dormir le plus possible, 10h. C'est parti!